Le grand public va avoir tendance, notamment auprès de la, dans la classe moyenne, et des gens qui souvent ne veulent plus se battre pour augmenter leurs revenus, vont vous dire l'argent est sale, c'est pas bien, tu es vénal, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, il n'y a pas ceci, il faut s'amuser, etc. Sauf que ces gens-là travaillent pour une entreprise, à moins qu'ils soient fonctionnaires. Et dans ce cas-là, c'est pareil, c'est les impôts qui payent. Mais vous devez comprendre que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer une meilleure santé à tes enfants. Je sais que dans certains pays comme l'Europe, en France notamment, la santé est gratuite, l'éducation, tout est gratuit. C'est pour ça que souvent, on n'y apporte aucune valeur quand c'est gratuit. On se dit l'éducation, pourquoi je paierais pour une formation? Moi, mon école, elle est passée dans les impôts, mais une formation, je ne vais pas la payer. On m'a toujours payé mes formations. Donc, il y a souvent un peu galvaudé la valeur des choses selon la société dans laquelle vous habitez. Mais là, pour tout le monde, ça vaut le coup. Ok, santé, éducation, je sais qu'en Europe, c'est quasiment gratuit. Donc, ça n'a pas de valeur, c'est bon, c'est gratuit. Mais vous devez comprendre quand même que si vous travaillez dans une entreprise, qu'est-ce qui vous permet d'avoir un salaire? Ce sont les ventes. Deuxième raison, il n'y a pas assez de ventes. La plupart des entreprises qui ferment leurs portes, le vendeur est un piètre vendeur. Ou le propriétaire, souvent l'auto-entrepreneur, n'ose pas et ne sait pas se vendre. C'est la deuxième raison pour laquelle une entreprise ferme ses portes, c'est les revenus. Vous comprenez? Sans revenus, vous ne pouvez pas créer des emplois, vous ne pouvez pas créer d'équipe. Vous occupez de vos employés. À moins que vous ayez envie de travailler toute votre vie seul. C'est un choix. Mais sinon, les ventes, c'est important. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas assez de revenus, tu ne peux pas investir dans la publicité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas qu'ils doivent considérablement beaucoup plus investir d'argent, d'injecter plus d'argent dans leur entreprise. Mais il faut de l'argent pour ça. Mais si vous avez dans la tête la psychologie numéro un, que l'argent est sale, que c'est pas bien, que vous êtes bien comme vous êtes et que ceci, c'est terminé, ciao. Vous êtes en train de comprendre la deuxième des raisons pour laquelle, la première c'était l'essentiel, et on va vous aider durant le Weekend Spark, mais la deuxième des raisons c'est surtout celle-ci. Vous ne savez pas vendre. Il n'y a pas suffisamment à la fois de technique de vente et de psychologie de vente. Vous ne savez pas comment comprendre la vente. Donc ça, c'est la deuxième des raisons.